Sachez que c'est en Inde qu'on détient le record de victimes par cette curieuse façon de mourir. Bon. Mais quelle est cette curieuse façon de mourir dont l'Inde détient le record ? Le bûcher. Bah non. Moi, j'ai la réponse. Allez-y. C'est par selfie. Expliquez, monsieur. Ah oui, dans certains endroits, des falaises où il y a des voies de train, les touristes se font des selfies. Et ils tombent, et c'est le pays qui a le record de morts par selfie accidentelle. Excellente réponse de monsieur Titoff. Mais tu sais, tu l'as dit. Il n'existait plus depuis 1900. C'était les dessins humoristiques où on disait recule encore, disait le mec qui fait 120 ans. Et il y a la femme qui tombait. Avec la photo, on rigolait. recule. Mais quoi, la femme ? Sauf que maintenant, on fait ça tout seul. On n'a pas besoin de quelqu'un pour vous dire recule. Mais un selfie, c'est quand on le fait tout seul. Et effectivement, comme on est souvent dos. Puisqu'on se prend en selfie, on est souvent dos au paysage qu'on veut prendre. Au paysage ou au train. Parce qu'il y a des mecs qui font des selfies à la con. Genre, je me prends photo devant le train et puis ils se le prennent dans la tronche. Si 76 personnes sont décédées en Inde en 2 ans à cause du selfie, chute d'une falaise, choc avec un train ou glissade sur le marbre du Taj Mahal. Ça fait des beaux selfies. Par contre, ça cartonne sur YouTube après. Mais je veux dire, c'est ridicule parce que justement, l'intérêt du selfie, c'est qu'on n'a pas à bouger. Parce qu'on fait comme ci, comme ça, comme ci. Ils sont tellement cons, ils croient qu'il faut bouger. Comment tu fais ? Ils croient qu'il faut bouger les jambes, c'est les bras qu'il faut bouger. Non, là, il fait un selfie avec un iPad, là. Vu le mime. Vous avez déjà fait des selfies, Pierre ? Non, jamais. Jamais. Il n'y a que le nez. Le nez, il s'en sert comme perche à selfie. Pierre, je n'ai jamais vu des selfies de Pierre. Mais bon, on ne voit pas les yeux, il n'y a que... Tu vois deux narines. Ouais. Deux narines devant le Taj Mahal. Deux narines et des sourcils. J'ai cru que c'était Fillon. Bon, il va t'arriver, tu vois pas les narines, mais tu vas voir ce que c'est qu'une demi-livre dans la gueule. Quoi, tu vas bouffer un sandwich au phalange, toi. Vous savez comment ça s'appelle, Pierre, si vous voulez éviter ça, vous avez les perches à selfie. Non, maintenant. Parce que je vais vous expliquer. Je prends mon téléphone. Il prend son téléphone. Il fait comme ça. Il fait comme ça, mais il bouge pas ses fesses. Mais oui, on a des belles façons de mourir quand même. En ce moment, c'est bien la technologie, c'est chouette. C'est bien, Christine, vous faites des selfies quand on vous les demande, vous ? Non, avec les gens ? Oui. Ouais, mais avec mon casque de moto toujours. Comment ça ? Bah parce que comme ça, on m'en connaît pas. C'est la Daft Punk de RTL. Ouais, voilà. Moi, je pense, on me demande souvent des selfies. Prends pas cher d'ailleurs, prends 10 € pour 3 selfies. Bon. Et on fait les selfies et... Et on te fait des prix de gros ? Non, je dis, mais pourquoi voulez-vous ? Elle va avoir une part de tarte. 3 € pour 3 selfies. Non, 2 € pour 3 selfies. Non, prix de gros, je croyais que c'était une vanne pour le... Mais ça aurait été drôle. Elle veut sa part de tarte. Tout le monde l'a prise comme ça. Je ne suis pas gros. Je suis comme un riche bien nourri. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire, monsieur Pierre ? Les selfies. Ouais, les selfies, je trouve que c'est une des choses les plus connes qui soit arrivée depuis l'invention de l'automobile. C'est assez rare que quelque chose t'énerve. En Inde, il y a quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire des selfies avec les vaches. Non, de Bouddha. Puisqu'on ne tourne pas le dos à Bouddha. Ah, exact. Il faut amener son gruyère, alors. Mais tu tournes pas le dos. C'est ce qu'il a dit. Si tu te mets il faut amener son gruyère s'il n'y a pas de Bouddha. Et vous, ça vous fait rire. Ah ben moi, ça me fait rire, moi.